Parfois, on me demande pourquoi est-ce que je distille mon eau. Parce que voilà ce qu'il y a dans l'eau du robinet après la distillation. Ça, je vais faire un petit tas. J'ai pas été jusqu'à étudier ce qu'il y a là-dedans, mais tout ce que je sais, c'est que je veux pas de ça dans mon corps. Donc, ça me paraît assez évident. Mais voilà ce qui reste dans l'eau après la distillation. On te dit que l'eau du robinet est potable. On te dit que l'eau du robinet est potable. C'est dégueulasse. On est en France. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc là, j'ai laissé sécher 24 heures. Et du coup, ça a donné ça. C'est que cette merde. Voilà ce que possède 80 litres d'eau du robinet. Et ça va dans ton corps. Tu comprends pourquoi ta glande pinéale, elle est calcifiée? Ça s'accroche comme ça, là. Si ça représente ça, là. Ça fait quoi dans ton corps, dans tes intestins, dans tout ton système, hein? C'est dégueulasse.